Magnifique soirée les amis, ce soir c'est Rosh Hashanah Rabba, une soirée de Teshuvah. Pourquoi la Teshuvah? On vient de finir Kippour, Rosh Hashanah, encore tu nous faut la Hasra? Vous n'avez pas compris les amis, Rosh Hashanah, tout a été décrété, tout est marqué sur un petit papier. Et ce petit papier, il va être transmis devant un Kadosh Baruch Hu ce soir de Rosh Hashanah Rabba. Et on peut le déchirer si on fait Teshuvah. Comment on fait Teshuvah les amis? Des fois on n'a pas la force, des fois on n'a pas le goût, ni à la prière, ni à l'étude, ni à ce qu'on appelle se renforcer. On va écouter le secret qu'a marqué dans l'Ikoutei Moran. Rosh Hashanah Rabba, c'est ce qu'on appelle Mochil de Katnout. Tu comprends rien, tu ressens rien. On va prendre la branche de saule qui n'a ni goût ni odeur. Pourquoi ni goût ni odeur? Parce que des fois on n'a pas le goût à la tefila. On n'a pas aussi ce qu'on appelle la bonne odeur. On ne ressent pas notre âme qui fait référence au réar, à l'odeur selon la Torah. Mais si tu continues à te battre, à te taper et continuer à prier, tu vas prendre des branches de saule dans ta main. Tu vas prendre la saule qui fait référence à tes lèvres, qui n'ont ni goût à la prière ni odeur. Et tu vas les remuer dans tous les sens. Tu vas les garder en main. Tu vas continuer à te battre. Là, tu t'appelles un guerrier. Il nous dévoile Rabbi Nachman de Brassel, au nom du Zohar à Kadosh, que ces paroles que tu sors avec ta bouche sans connexion, mais tu as tellement envie de te connecter, mais elles sortent sans goût, sans connexion. À Kadosh Baruch Hu, il les prend et il les plante. Ce qu'on appelle autour d'un fleuve, et il va faire grandir des grands arbres, des arbres qui sont tellement forts, tellement puissants, qui vont ramener beaucoup de lumière dans ta vie. Si tu continues à te battre, malgré que tu n'as pas envie, malgré que c'est dur pour toi, malgré que tu ne ressens pas ta hitbo des doutes, que tu ne ressens pas ta prière, mais tu es toujours présent. Hachem dit, celui-là c'est un guerrier, on va lui offrir une magnifique année. On va crier les amis, même sans comprendre ce qu'on dit. Hachem, délivre-moi, malgré que je ne te ressens pas. Ce qu'on dit, Hoshaana Rabba. Hoshaana, ça veut dire aide-moi, délivre-moi. Rabba, une grande délivrance pour celui qui accepte ce secret qu'on va nous transmettre. Tu ne ressens pas les choses, continue à te battre. Akadosh Baruch Hu va te ramener juste après. Simcha Torah, qui selon Rabbi Nachman de Brassel, fait référence à une parole remplie de connexion, une prière remplie de connexion, une Torah de Simcha, Simcha Torah. Là, tu vas commencer à sentir. Pourquoi? Parce que tu as franchi la première étape qui s'appelle ne pas ressentir les choses. Avec sa mère.